un autre exemple de devoir de contrôle numéro 2 en mathématiques pour les élèves deuxième année, donc sciences et technologies de l'informatique. Nous avons l'exercice de l'année à 7 points résoudre les équations suivantes. Donc, nous avons l'équation de l'année x au carré plus x moins 6 égale à 0. Équation second degré, donc on va déterminer l'année delta. Avant tout, on va donc déterminer a égale à 1, b égale à 1 et c égale à moins 6. Donc, delta, écrivez la formule b au carré moins 4ac, donc égale à 1 au carré moins 4 fois 1 fois moins 6, donc égale à 25. C'est-à-dire x1 égale à moins b, donc moins 1, plus 5 lié racine de delta sur 2a sur 2, égale à 4 sur 2, égale à 2. Et x2, donc égale à moins 1, moins 5 sur 2, égale à moins 6 sur 2, égale à moins 3. Donc s dans r égale moins 3 et 2. Tada donc les fonctions signes. Où il y a x au carré moins 3x plus 5 égale à 0. De même, l'année, donc a égale à 1, b égale à moins 3 et c égale à 5. Donc delta égale à b au carré moins 3 au carré moins 4 fois 1 fois 5. Donc égale à 9 moins 20 égale à l'année, donc b égale à 9 moins 20, c'est-à-dire moins 11. Elle est négative, pas de solution. Voilà. Donc, nous avons 3. Donc, l'année x au carré plus 4x plus 3 fois moins 2x au carré plus x plus 1 égale 0. C'est-à-dire, elle est égale à 0 ou elle est égale à 0. Donc, x au carré plus 4x plus 3 égale 0 ou moins 2x au carré plus x plus 1 égale 0. Donc, je vais vous faire à part. Nous avons l'année x au carré plus 4x plus 3 égale 0, donc a égale à 1, b égale à 4 et c égale à 3. Donc, on a qui normal a moins b plus c, donc égale 1 moins 4 plus 3 égale 0. Voilà, donc l'année, ils ont bien sûr, d'accord, je dis, donc, on a delta, on a besoin de l'hésbou, mais je n'ai pas le temps ou le haja. Donc, nous devons penser aux règles du cours et les besoins de problèmes de temps. Donc, redoublons l'année. Voilà. Donc, l'année x1 égale à moins 1 et x2 égale à moins c sur a, c'est-à-dire moins 3. Alors, l'année, je ne sais pas si tu as un delta rate, mais on est obligé de faire une méthode, mais tu as un delta, mais de préférence. Donc, nous devons faire une autre c'est là où tu as un autre c'est. Donc, et moins 2x au carré plus x plus 1 égale à 0. Donc, on a l'a a égale à moins 2, le b égale à 1, ou c égale à 1. Donc, qui nomme l'a a plus b plus c égale moins 2 plus 1 plus 1, donc égale à 0. Donc, l'a kif, on a x1 égale à 1 et x2 donc égale à c sur a, c'est-à-dire l'année moins 1 demi. Voilà. Donc, les solutions internes, S dans R, on a 4 solutions. Il y a au moins 3, moins 1 demi, moins 1 et 1. Voilà. Donc, on est à l'équation là-bas, où il y a donc x au carré moins 5x plus 6. Voilà, donc. Sur x moins 2 égale à 0. Bien sûr, il y a maintenant juste qu'on 0. Donc, l'année, ils ont mis qu'on x au carré moins 5x plus 6 égale à 0. Voilà, donc, l'année, donc on va déterminer delta. Donc, a égale à 1, b égale à moins 5 et c égale à 6. Donc, quoi égale delta? Delta égale à b au carré, c'est-à-dire donc moins 4ac, c'est-à-dire donc moins 5 au carré, moins 4 fois 1 fois 6, donc égale à 25 moins 24 égale à 1. Donc, x1 égale à moins b, donc 5 moins 1 sur 2 égale à 2. Et x2, donc égale à 5 plus 1 sur 2 égale à 6 sur 2 égale à 3. B. Donc, on a deux solutions, 2 et 3. Vous avez x moins 2, l'année est différente de 0. Et il faut que x moins 2 différent de 0, donc x est différent de 2. Maintenant, la solution 2 est comme ça. Je vais vous donner un petit peu de temps. Donc, je vais vous donner 2 fait dénominateur. Donc, S dans R
égale le point 3. Voilà. Pardal, l'exercice 2, donc soit l'équation E, il y a x au carré moins 3x moins 5 égale à 0. Donc 1, sans calculer le discriminant delta, dire pourquoi E admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Donc, l'hné, ahna chnou aadna. وقتاش تكون E admet deux solutions, bien sûr, وقت اللي يبدا delta positif. انا مش باش نحسبو delta, مي باش نوريكم كيفاش. Donc, شنو معناتها delta positif. Delta هو B au carré moins 4AC. Donc, B au carré, elle est toujours positif. Donc, on a dit l'hné signe moins. معناتها يلزم تكون 4AC négatif. Donc, l'hné pour que delta soit positif, il faut que 4AC négatif, c'est-à-dire AC négatif. Donc, A ou C, deux signes, l'hné est mazous positif. Ou bien, donc, pardon, AC est négatif, il y a deux signes contraires. Donc, on a A égale à 1, on a C égale à moins 5. Donc, AC, elle est négative, deux signes contraires. Donc, bien sûr, delta P comme positif, alors E admet deux solutions, tout simplement. Ok? Voilà. Donc, la question les barres, où nous, sans calculer les solutions, on va déterminer donc, les relations suivantes. Donc, on a des relations à faire dans le cours, mais où elle est, mais donc, donc, on a, puisque E a deux solutions, donc x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Donc S qui est égal à x1 plus x2, donc égale moins b plus racine de delta sur 2a plus donc moins b moins racine de delta sur 2a. C'est-à-dire moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Voilà. Donc, je vais dire moins b sur 2a. Voilà, moins racine de delta sur 2a. Ok. On peut simplifier l'énergie par racine de delta sur 2a. Je vais juste parler moins 2b sur 2a. Donc, est égal à moins b sur a. Voilà. Donc, S égale à x1 plus x2 égale à moins b sur a. Or, quoi est égal à b? B égale à moins 3 ou a égale à 1. Donc, égale moins, moins 3 sur 1 qui est égal à 3. Voilà. Donc, donc la somme, bien sûr, sont calculer le delta, donc x1 plus x2 égale moins b sur a. Déjà, plus court, mais il y a devoir faire démonstration. Et donc, p égale x1 fois x2, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a fois moins b moins racine de delta sur 2a. Donc, égale, on dit 2a, l'autre, donc je te dis 4 au carré. Donc, je n'en ai pas. Donc, on a moins b plus racine de delta fois moins b moins racine de delta. Donc, a moins b fois a plus b, il y a donc moins b au carré, voilà, moins racine de delta au carré sur 4a carré. Donc, égal à b au carré. L'hné, donc delta, elle est positive, donc moins delta sur 4a. A au carré, or delta égale à b au carré, donc moins b au carré moins 4ac sur 4a au carré, donc égale b au carré moins b au carré plus 4ac sur 4a au carré, donc b au carré ou b au carré, 4 et 4, la ou la, donc je tape l'ic sur a, donc b égale x1 fois x2 égale à c sur a. Déjà, il faut réduire, je te redonne, vous savez, mais il faut faire, bien sûr, démonstration. Ok? Pardon, donc, le a est égal égale x1 moins 1 fois 3x2 moins 3. Puis, dans le développement, je vais te dire 3x1 x2 moins 3x1 moins 3x2 plus 3. Donc, moins 1 fois moins 3 plus 3. Donc, égale 3x1 fois x2. Donc, il y a un P, ok. Donc, il y a P, il y a donc C sur A, bien sûr. C est moins 5, donc sur A, donc égale à moins 5. C'est-à-dire, il y a P égale à moins 5. Donc, P égale à moins 5, ou somme égale à
3. Voilà. Donc, l'aîné égale à 3p moins 3 x1 plus x2 plus 3, c'est-à-dire égale 3p moins 3s plus 3. Donc, 3 fois moins 5 moins 3 fois 3 plus 3. Okay? Donc, égale à moins 15 moins 9 plus 3. Égale. Donc, moins 15 moins 9, c'est donc l'aîné a moins 19. Moins 20, moins 24 plus 3, donc égal à moins 21. Voilà, donc ça c'est A. Okay. Donc, et on va calculer toi, B, donc B égale à 1 sur x1 plus 1 sur x2, même dénominateur, donc égal à x2 plus x1 sur x1 fois x2, c'est-à-dire S sur P, donc égal à 3 sur moins 5 est égal à moins 3 sur 5. Voilà, donc qui est les deux premiers exercices. On va dans l'exercice 3 où il y a partie géométrie à barycentre. Donc, soit ABC un triangle. A ou le H, construire le point H barycentre des points A2 et B-3. Je vais vous montrer. Donc, H est le barycentre des points pondérés A2 et B-3, c'est-à-dire l'année, donc AH égale moins 3 sur moins 3 plus 2, c'est-à-dire sur moins 1, donc AB, voilà, donc c'est-à-dire AH égale à 3 AB. On va construire donc le point H, on dit le triangle interne, donc ABC, je n'ai pas un asriral AB. Donc, ça c'est A, ça c'est B et ça c'est C. On a AH égale à 3AB. Donc, l'aîné, je n'ai que 3 fois. Donc, 1, 2, 3, voilà. Un mètre à 2 cm, AB. Donc, ça c'est le point H. AH égale à 3AB. Donc, on désigne par G le point vérifiant. 2GA moins 3GB moins 2GC égale à vecteur nul. Donc, l'aîné, la question, c'est que représente le point G pour les points pondérés A2, B-3 et C-2. Donc, P, l'aîné, le point G, elle est le barycentre des points pondérés A2, B-3 et C-2. Okay? Donc, l'aîné, G est le barycentre et c'est moins 2. Montrer que j'ai le barycentre des points pondérés h moins 1 et c'est moins 2. Okay? Donc, l'aîné, on va montrer que j'ai le barycentre des points h moins 1 et c'est moins 2. Tout simplement, l'aîné, puis j'ai le point. Donc, l'aîné, le point عندي h ou عندي c. Donc, je vais mettre l'équation ici. On va essayer les points qui sont H. Donc, je vais mettre le H. Donc, je vais mettre le barycentre, c'est-à-dire moins GH moins GC égale à vecteur nul. Donc, on va mettre la relation ici. Donc, on va mettre la relation ici. Il y a 2GA moins 3GB moins 2GC égale à vecteur nul. Donc, on va mettre le point donc H. Je vais mettre 2GH plus 2HA, voilà, puisque l'aîné, H est l'A ou le B. Donc, je vais mettre H, l'aîné, c'est kif kif, moins 3GH, moins 3HB, voilà, donc moins, on dit le point, l'aîné, 2GC, donc moins 2GC. Donc, l'aîné, j'ai le barycentre des points H moins A et C moins 2, donc je vais aller avec. Donc, on va dire qu'il y a moins 2GC. Donc, je vais mettre bien sûr le point H7. Donc, moins 2GH, moins 2H. Voilà, donc HC. On a acheté que G est le barycentre. Donc, on va mettre le point G. Donc, moins 2GC. Voilà,
pardon, donc égal à vecteur nul. هنا هي moins gh moins 2gc. يلزمني نخرج من بين هذه خاطر عندي moins 2 غادي. دونك شنو باش تعطيني لهنا؟ احنا بينا انه h هي عندنا h هي لوباريسيون انتر دو a 2b moins 3 سيتادير 2ha moins 3hb égal à vecteur nul. هذه باش تتنحى. دونك شنو باش تبقى لي؟ باش تبقى لي 2gh moins 3gh سيتادير moins gh moins 2gc égal à vecteur nul. Voilà. Donc l'aîné, voilà. Donc G est le barré centre des points pondérés. Donc H moins 1 et C moins 2. Voilà. Donc l'aîné, pardon, en a moins 2. Ok. Donc, les questions, les barres ont montré que les points G, E et A sont alignés. Donc, nous, G, E et A sont alignés. Donc, mais là, on a le point E, donc construire le point E est le barycentre des points pondérés B moins 3 et C moins 2. C'est-à-dire, là, donc, starting B, E. Donc, là, je vais mettre là, donc, B, E. Égale donc moins 2 sur moins 3 moins 2, c'est-à-dire alpha plus bêta, donc moins 5. Voilà. Donc, BE, c'est-à-dire l'année BC. Donc, égale à 2 cinquièmes de BC. Ça, c'est BE. Ben, là, NL, une figure interne, et on va construire le point E, il est 2 cinquièmes de BC. Donc, elle est forcément 5 parties, BC. Déjà, on a fait un peu de temps. Donc, les nez, ils sont parallèles avec le segment, le chrène, il est rebattu au point C. Voilà. Voilà. Donc, les nez, voilà. Et voilà. Donc, on a fait le nez, puis on a fait le segment BC. Voilà, donc ici, on a fait 5 parties. On a fait donc BE égale à 2 cinquièmes de BC. Donc, là, bien sûr, je trouve le point E. Voilà. Donc, la question, c'est de montrer les points G, B, G, donc E et A sont alignés, ou le point G, il y a le barycentre. Donc, je crois que tu as un à ça, on va montrer. Donc, G, il y a le barycentre des points H moins 1. Et c'est moins 2. C'est-à-dire, l'aîné, HG égale moins 2 sur moins 3, donc HC. Voilà, donc est égal à 2 tiers de HC. Ça, c'est HG. Okay? Donc, il y a 2 tiers de HC. Donc, on a un HC. Donc, je vais 2 tiers. Voilà. Donc, ça, c'est HC. Donc, on a trois parties, on a deux tiers. Donc, je me suis 2 cm, mais je vais me faire trois parties égaux. Donc, ça, c'est C. Donc, je vais me faire un peu de ça. Je vais me faire un peu de ça. Je vais me faire un peu de ça à l'écran. Donc, là, je vais me faire perpendiculaire. Voilà. De même, là. On t'a oublié, ben je le point indiqué, le segment. Donc, on a donc HG égale à 2 tiers de HC. Donc, je trouve le point G. Voilà, ça c'est notre point G. Okay? Donc, on va montrer que G, U et A sont alignés. Déjà, Hawinguma sont alignés. Voilà. Donc, comment montrer que ces trois points sont alignés? Sinon, quand je mets les relations, les rendez-vous, les relations dans les barycentres. Donc, on a une E qui est le barycentre des points B moins 3 et C moins 2. C'est-à-dire, moins 3 E, B, moins 2 E, C, égale vecteur nul. Okay? Donc, on a le point G ou on a le point A. Moins 3 E, G, moins 3 G, B, moins 2 E, A, moins 2 A, C, égale vecteur nul. Donc, on a une autre relation, il y a 2GA moins 3GB moins 2GC égale vecteur nul, c'est-à-dire moins 3GB égale donc 2GC
moins 2, j'ai 1. Et dit, je dis, non, on a dit, je dois aller à dire, moins 3 EG, donc plus 2 GC, moins 2 GA, moins 2 EA, et moins 2 AC, c'est-à-dire plus 2 CA, égal à vecteur nul. Donc, on dit 2 GC plus 2 CA, il y a 2, donc GA. Voilà, moins 3 EG, moins 2 GA, plus 2 GA, moins 2 EA, égal à vecteur nul. Donc, quand on me fait sur la loi, je vais te parler, moins 3 EG, moins 2 EA, égal à vecteur nul. Alors, E, le barycentre des points pondérés. Donc, E, voilà, donc G, moins 3, et A, moins 2, c'est-à-dire G, A et E sont alignés. Voilà, donc on a montré que les trois points sont alignés. On déduit que les droites AE et CH sont séquentes. Donc, une des droites AE et CH. Voilà, donc elle est AE, ou elle est CH. Donc, sont séquentes au point G. Alors, je vais vous donner C, G et H sont alignés. Et on a montré que G, E et A sont alignés. Alors, les deux droites, A, E et donc CH sont séquentes en G. Donc, bien sûr, sont alignés. Alors, G ou E ou A sont alignés. Déjà, donc, atteint nous G, le barycentre, ou bien, donc, l'année G, E et, voilà, donc, on a G, E et A, et G, C et H, le barycentre. Alors, on a donc déjà, donc, nous G, le barycentre des points H moins 1 et C moins 2, ok? Voilà, donc, ces deux droites sont séquentes en G. Dans la question 4, déterminer les ensembles suivants. Donc, l'ensemble ou les modules de 2MA moins 3MB égale à 1. Donc, la NEP, je travaille dans le point G. Donc, 2MG plus 2GA moins 3MG moins 3GB donc égale à 1. Or, on a 2GA moins 3GB, donc égal à 2GC. Donc, c'est-à-dire, l'année 2MG moins 3MG, c'est-à-dire moins MG. Donc, 2GA moins 3GB égale à 2GC. Donc, plus 2GC égale à 1. C'est-à-dire, l'année moins MG, c'est-à-dire GM, je ne sais pas. Donc, plus 2GC égale à 1. Donc, l'année... Or, 2GC est quoi égal? Ahnana, il faut énoger le barycentre des points H moins A et C moins 2, c'est-à-dire moins GH moins 2GC égale à vecteur nul. Donc, 2GC égale moins GH qui est égal à HG. Donc, je vais vous dire, je dois aller à des modules de GM plus HG égale à 1, c'est-à-dire l'année HG plus GM égale à donc H. M, voilà, donc égal à 1. Je m'entends à HM égale à 1, donc c'est-à-dire le point M appartient au cercle de centre H et de rayon 1. Voilà, donc M appartient au cercle donc de centre H et de rayon 1. Voilà, pardon, l'ensemble B, donc l'ensemble B, déjà l'ensemble A cercle, Gali. Donc, l'ensemble B, l'ensemble tel que 2MA, delta, c'est droite, donc moins 3MB, moins 2MC, égale 3 cinquièmes de moins 3MB, moins 2MC. Donc, je vais le mettre le point G. Je dis 2MG plus 2GA, moins 3MG, moins 3GB, moins 2MG, moins 2GC. Égal. Mais avant, donc, je peux faire des simplifications. Là, il faut une 2GA moins 3GB moins 2GC égale vecteur nul. Donc, égale 3 cinquièmes de, donc, moins 3MG
moins 3GB, moins 2MG, moins 2GC. Okay? Donc, l'année, or, moins 3GB, moins 2GC, il y a donc moins 2GA. Donc, c'est 3 cinquièmes, moins 3MG, moins 2MG, c'est-à-dire moins 5MG, et moins 3 GB moins 2GC, il y a 2AG, donc plus 2AG. Okay? Donc, l'année, je n'en pstatini, il y a donc 2MG moins 3MG moins 2MG, il y a 3MG, égale, donc l'année, najm ndakhal 3 ldakhal, donc pstatini moins 3MG. Plus 6 sur 5 AG. Oh là là. Donc, l'année, on stop. Je ne vais pas continuer. Alors, je vais vous faire une démarche. Alors, je vais vous dire que si vous avez le point G sur le côté, vous avez automatiquement le point G sur le côté. Or, non. Redoubène. Qui fait que nous faisons ce type d'exercice. Je vais vous dire que je vais vous le blocage. L'année finit. Donc, je vais vous le blocage. Li vais vous le dire. Donc, l'année, je vais vous le dire. Je vais vous le point G. باش نوصل للإيكواسيون هذه قدر عندي 2 3 moins 3 moins 2 voilà donc لهنا ديما قرب لي هنا شنو عندي عندي moins 3 و moins 2 وين تظهر moins 3 و moins 2 تظهر في الباري سنتر E le باري سنتر des points pondérés moins 3 moins 2 puisque عندي هنا B وعندي هنا C donc لهنا باش نجي ندخل le point E ok donc je vais aller عندي هنا voilà donc démarche هذا partie الاولى صح مي البارتي الثانيه اللي انا ديما نوري فيكم في لي زاستوس donc لهنا في البلوكاج. Donc, je vais dire 2 MA moins 3 MB moins 2 MC égale 3 sur 5, donc moins 3 MB moins 2 MC. Okay? Donc, là, je vais dire le point G, 2 MG plus 2 GA moins 3 MG moins 3 GB moins 2 MG moins 2 GC. Donc, 2GA moins 3GB moins 2GC égale avec vecteur nul. 2MG moins 3MG moins 2MG, puis startini moins 3MG. Égale, l'année, on a besoin d'arriver le point E. Donc, 3 sur 5, moins 3ME, moins 3EB. Okay? Donc, moins 2ME, moins 2EC. Et puisque E, le barré centre des points pondérés, B moins 3 et C moins 2, donc, on a besoin d'arriver. Moins 3ME, moins 2ME, moins 5ME, donc égale 3 cinquièmes, moins 5ME. Je vais 3 cinquièmes, donc je dois lire égale module de moins 3ME. C'est-à-dire l'année MG égale ME, donc M appartient à la médiatrice du segment G. Voilà, donc okay, un autre exemple de devoir de contrôle numéro 2 en mathématiques pour les élèves de deuxième année. Quand vous avez des questions, vous pouvez vous en parler.